le meilleur des souvenirs. Souvenez-vous. Souvenez-vous, c'était les années 80. Made in 80. 1984. Coucou les cocos, en exclusivité sur Made in 80, je vous présenterai chaque semaine la chronique « Cette année-là à la télé » qui parlera des émissions et des séquences cultes qui m'ont marqué. Je commence aujourd'hui par 1984 avec chaque après-midi « La chance aux chansons » de Pascal Navrant, comme disaient les inconnus, et à 19h40, Cocorico Cowboy avec les Coco Girls, le bébé de show et une playmate qui faisait un striptease juste avant le journal télévisé. Le dimanche à 14h, à Chipper à Choper, la première émission présentée par un animateur noir, Sidney, qui en profite pour lancer le rap en France. Et en fin d'après-midi, 7 sur 7 d'Anne Sinclair. Je me souviens entre autres de Gainsbourg, ou plutôt Gainsbar, qui brûle un billet de 500 francs pour dénoncer le racket fiscal dont il se disait victime. 1984, c'est aussi la création de Canal+, le 4 novembre, et dans le premier top 50, on découvrait en haut de classement que des inconnus. Peter Sloan, Cookie Dingler, Jeanne Mas, Jean-Pierre Madère et un certain Laroche Valmont. Parmi les clips que passait Marc Toesca, il y avait Cargo d'Axel Boer, le premier français à être diffusé sur MTV, et Lemon Incest, un scandale de plus pour Gainsbar torse nu sur un lit avec sa fille Charlotte en petite tenue alors qu'elle n'avait que 13 ans. L'émission qu'il fallait à tout prix regarder le samedi soir, c'était Champs-Élysées. J'étais venu pour Talelou Coco avec une chienne ressemblant à Zaza, la chienne de Michel Drucker. Je l'avais déguisée avec mon look, cravate jaune fluo, badge smiley et Spencer noir. Mais c'était rien comparé à la surprise que lui avait réservée Thierry Leluron 2 semaines plus tôt. À la répétition, il avait chanté « L'important, c'est la rose », mais en direct, il a changé les paroles en « L'emmerdant, c'est la rose », repris en chœur par le public, une manière de se moquer du Parti Socialiste dont c'était l'emblème. Et transition toute trouvée, pour terminer, je vous propose d'écouter mon nouveau single « Cette année-là, Michel Drucker », qui vous rappellera, j'espère, plein d'autres bons souvenirs des années 80.